Préfecture de Poubelle dans le département du Plateau. C'est ici que Saka Lafia, ministre de l'Intérieur, a voulu donner le top de sa tournée dans les départements de Louémé et du Plateau. Il est essentiellement question de sécurité dans les communes de Poubelle et Kétou, restées à la une de l'actualité pendant le deuxième trimestre de l'année du fait des violences entre peuples transhumants et populations locales à majorité agricole. Vous êtes personnellement impliqué dans la gestion des dernières crises qui sont nées de la transhumance dans la commune de Kétou. Et je pense, monsieur le ministre, qu'aujourd'hui, la situation est en train de revenir à la normale. Un retour à la normale auquel le gouvernement de la rupture, les populations locales et les forces de sécurité attachent du prix. Depuis 2016, en effet, la collaboration entre les différents acteurs en charge de la sécurité de la région de Louémé et du Plateau a produit ses fruits. Je peux affirmer que nos populations sont mieux sécurisées que par le passé, que les gendarmes, les policiers et les pompiers sont plus présents sur le terrain à leur côté pour les protéger, les secourir et les assister. Je sais que tout cela n'est pas encore suffisant. Le ministre ne s'y trompe pas, puisqu'on continue d'enregistrer des larcins, mais aussi des actes de grand banditisme dans les deux départements. Le gouvernement propose alors de signer avec les populations et les élus locaux de la région un pacte de coproduction de la sécurité afin d'atteindre à terme l'objectif de zéro insécurité.